Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de juin 2022. On y va sans plus attendre, quels sont vos messages? Pour les différentes parties, je mets en description de la vidéo tous les timers, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Et puis comme elles sont un petit peu longues, ça vous permet aussi peut-être de la regarder en plusieurs fois. On y va. Allez, Verseau, juin 2022. Alors, les Verseaux. Bon, les dos de deck, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui s'en dégage comme message. Il y a essentiellement la carte de l'attente ici. Donc, on vous dit qu'à vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pourquoi? Parce que quand on veut les choses intensément, on les attire. Mais si on les veut, entre guillemets, on les souhaite... avec de l'impatience, là par contre on est dans une énergie beaucoup plus négative. Donc au final il faut rester positif tout en voulant les choses, et il faut savoir que parfois les choses que l'on désire, il leur faut du temps pour s'intégrer dans la matière, il leur faut du temps aussi pour quelque part avoir des bases solides. Par exemple, si vous rêvez d'une vie de famille en rencontrant votre âme sœur, etc., eh bien, il va falloir quand même du temps pour que tout ça arrive, pour que la bonne personne arrive, pour que la relation se mette en place et que les bases se solidifient avant de pouvoir envisager de passer aux étapes suivantes. Voyez, donc on vous dit que cette attente est nécessaire pour la construction peut-être de votre futur, et surtout pour qu'il soit, j'entends, dans des... comment dirais-je, dans des conditions très favorables, avec des bases solides. Surtout que ici j'ai le 4 de terre, donc on est sur le 4 qui signifie des bases solides aussi. Hein. Alors, il peut être question justement d'être dans l'attente d'un projet professionnel ou matériel qui demande une certaine attente justement pour avoir ce 4 de terre. Le 4, les bases solides, et la terre dans le côté matériel. Donc pour avoir des bases solides dans le plan, sur le plan matériel, financier, professionnel, il vous est demandé d'attendre quelque part. Alors on vous demande pas d'attendre, j'entends, sans agir. On vous demande d'être patient, que ça peut être long à mettre en place, mais que ça va venir. Alors, une des choses que vous avez à travailler, les amis Verseau, pour ce mois de juin, c'est votre joie. Mais votre joie dans les petites choses ordinaires. On vous dit au-delà de l'ordinaire, et j'ai le joyeux. On vous dit que tout simplement, au-delà des choses ordinaires du quotidien, qu'il peut s'agir d'un petit café en terrasse avec les copines ou les copains, qu'il peut s'agir d'un repas de famille, d'un bon film, bien lové dans son canapé le soir, ça peut être ça aussi. Donc tous les petits moments qui paraissent ordinaires mais qui amènent du plaisir, eh bien, doit vous procurer de la joie et du bonheur, du ravissement, c'est ce qu'on me dit. Et donc, vous allez devoir peut-être travailler sur ces petites choses de l'ordinaire, vous focaliser davantage les Verseaux sur ces petites choses ici pour vous, pour ce mois de juin. Alors, avec la carte de l'initiation ici, ça fait partie des choses aussi que l'on a à travailler. Donc l'initiation, c'est le fait d'apprendre aussi, d'être initié. Il peut être question, en effet, hein, de s'initier à la joie, au bonheur, à travers toutes les petites choses du quotidien sur lesquelles on va devoir se focaliser. Voilà déjà un petit peu ce qui se dégage un petit peu de vos dos de deck. Allez, on va commencer par la partie énergie générale de votre signe pour ce mois de juin. Alors, on a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, souci de santé lié au stress. Bon, attention, hein, ici, les Verseaux, visiblement, les guides vous disent « Ouh, il est temps de lever le pied, de vous reposer, de penser à vous ».
Il peut être question d'avoir beaucoup trop de travail. Donc, soit il est conseillé, bien sûr, d'accepter l'aide des autres, donc de demander de l'aide pour déléguer, j'entends, pour certains. Alors, il peut être question de déléguer au travail, par exemple, hein, si vous avez la possibilité de travailler en équipe et de vous partager les tâches. Il peut être question aussi de délaguer, par exemple, les tâches ménagères, les enfants, etc., entre les deux partenaires, par exemple, si on travaille beaucoup. Il peut être question de ça. On vous dit en tout cas qu'on est dans une sorte de déséquilibre ici. Et finalement, c'est à vous d'y remédier. Hein. Ce 10 symbolise une transition. Donc, on quitte le 9 qui est une fin de cycle. On n'a pas encore commencé le 1 qui est un début de cycle. On est vraiment entre les deux. Hein. On est sur le 10. On est à la fois sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, il peut être question, par exemple, aussi d'être sur un carrefour de vie, un chemin de vie, une prise de conscience, j'entends aussi, peut-être par rapport justement à son travail. Il est peut-être question de ne pas se plaire au travail, d'en avoir trop, de ne pas pouvoir justement équilibrer sa vie sociale, familiale avec sa vie professionnelle et on aspire peut-être à autre chose. Il y a peut-être une prise de conscience ici avec cette énergie de feu qui va vous demander de faire une action ou d'agir pour remédier à cette situation. Moi j'entends qu'il est peut-être question pour certains Verseaux aussi de changer de profession ou de se reconvertir, de se mettre à son compte aussi, c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure quand je battais vos cartes, j'ai ici le mental tout à l'heure dans les cartes professionnelles qui est tombé, dans le mental par rapport à un changement de voie vers un dirigeant. Donc il est peut-être question ici de certains ou certaines d'entre vous de réfléchir beaucoup, d'être beaucoup dans le mental, soit parce que vous êtes à votre compte et que vous vous êtes lancé à votre compte, mais on réfléchit beaucoup parce qu'il faut mettre en place l'entreprise, soit vous envisagez de vous mettre à votre compte, d'être indépendant, d'être peut-être même plus indépendant. On peut avoir aussi un patron, c'est ce que j'entends, mais être plus autonome dans son travail. J'entends ici des personnes qui ont peut-être besoin de gérer leur propre planning, leurs horaires par rapport à leur vie de famille. Donc ici, on va en tout cas d'être dans des énergies de prise de conscience, mais en même temps qu'ils vont, il y a des actions qui vont suivre cette prise de conscience de votre part pour pouvoir avancer et remédier à la situation. Parce qu'on vous dit aussi, attention, parce que si vous êtes dans une grosse période de stress, que vous êtes submergé par le stress et la fatigue, ce n'est pas bon pour votre corps ni pour vos énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, bah, il est peut-être question justement hein, de cette énergie de stress et de ruminer peut-être des choses un peu négatives. Alors sur, oui, j'ai trop de travail au boulot, ça ne me plaît plus ce que je fais, j'ai pas beaucoup d'aide autour de moi. Voilà, on est peut-être voilà, dans ces énergies un petit peu là aussi, mais... Bon, qui sont compréhensibles aussi, hein, parce que voilà, si vous avez besoin d'aide et que personne n'est là pour vous aider, c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Mais on vous dit en tout cas qu'il va falloir peut-être, voilà, sortir de cette pensée négative qui tourne en boucle dans votre mental et peut-être agir justement pour que cette pensée négative change. Donc, il peut être question de changer de contexte, de décor, d'aller s'aérer aussi, de prendre du temps pour soi, pour souffler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'énergie centrale, eh ben tiens, l'énergie centrale de votre mois de juin, les Verseaux, c'est la fin de quelque chose. Quand je vous disais qu'on était sur un 10 avec une transition, c'est bien parce que on a une fin de cycle qui s'opère. Et là, l'énergie centrale de votre mois de juin, c'est la fin de quelque chose. Alors, on va aller voir justement de quoi. Oh bah déjà, la fin des jalousies. Donc, ça veut dire que il est question peut-être pour certains Verseaux au mois de juin de prendre des décisions radicales, j'entends, qui vous permettent de couper les ponts avec des personnes négatives autour de vous, que ce soit dans le professionnel ou le personnel. Hein. Ici, on met fin à des relations peut-être toxiques. On met fin vraiment à des relations toxiques pour retrouver en tout cas de la joie. Ici, on tourne le dos aux jaloux, on tourne le dos aux mauvaises personnes, aux personnes qui, j'entends, vous voyez, ce bonhomme, en fait, il semble tomber en bas. Vous voyez un petit peu ici. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est que cette carte de la fatalité, pour arrêter de tomber en bas, à cause de personnes qui vous tirent vers le bas, on met fin à ces relations pour retrouver une certaine joie intérieure. Alors, il est peut-être, on me dit aussi que pour certains,
On s'est peut-être enfermé sur soi, on s'est peut-être replié, on s'est peut-être même enfermé chez soi, hein, carrément, à cause de certaines personnes négatives, pour pouvoir les éviter, pour... j'entends un petit peu le mot, l'expression tour d'ivoire, on s'est barricadé un peu chez soi pour éviter plein de personnes, ou au moins une personne qui était négative autour de vous. D'ailleurs, ces personnes ont peut-être été tellement pas sympas que finalement, il y a une sorte d'enfermement sur soi aussi. On se sent pas bien ici avec ces personnes-là. Et là, on vous dit, pam, il y a un déclic ici, les Verseaux, pour ce mois de juin. On met fin à des relations, donc on met fin aussi peut-être aussi un repli sur soi. Donc il est peut-être question aussi de se retourner à nouveau vers le monde extérieur, de reprendre du poil de la bête, j'entends aussi, hein, pour certains. Oui, en effet, hein, ici il y a eu des trahisons, il y a eu des choses vraiment pas terribles ici pour vous les Verseaux, et on met fin à ces énergies-là. Comment dirais-je? C'est la fin en tout cas des trahisons, hein, c'est quelque chose qui, voilà, qui ramène de la joie. Alors, c'est marrant entre guillemets, je sais pas si ça vous soulagera pour certains, mais là on parle d'un retour de karma, hein, très clairement. C'est le karma en fait, oui, alors déjà ce que l'on sème, on le récolte, ça c'est sûr. Donc s'il y a des personnes négatives autour de vous qui vous ont fait du mal, ça va se retourner contre elles, hein. En tout cas le karma. Donc ça veut dire que finalement à travers ça, les guides vous disent aussi, ne le faites pas vous, ne vous vengez pas, ne soyez pas dans une énergie de vengeance, parce que c'est très mauvais pour vos vibrations et c'est très mauvais pour votre propre karma. Parce que le karma, non seulement c'est ce qui est passé mais qui influe sur le présent, mais le karma il se construit aussi dans le présent. Ça veut dire que toutes les actions que vous faites dans le présent, toutes les pensées, toutes les phrases que vous dites, tout a un impact vibratoire et est envoyé dans l'univers pour pouvoir en fait vous être renvoyé. Donc si vous essayez peut-être de vous venger de personnes qui vous ont fait du mal, malheureusement, ça risque de ne pas être bon et positif pour votre karma et ça risque de vous retomber dessus d'une façon ou d'une autre. Donc ici, les guides vous disent, faites confiance, faites-moi confiance, c'est ce que vous disent les guides, l'univers, fais-moi confiance, je m'en charge. De toute façon, on récolte toujours ce que l'on sème. Et j'ai une amie d'ailleurs qui utilisait pour son petit garçon cette image du pistolet à eau par rapport au karma et qui lui expliquait justement le karma c'est quoi? C'est bah, par exemple ton pistolet à eau, tu tires en l'air, ça te retombe dessus. Bah, le karma c'est exactement la même chose. C'est ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, et bah, ça va te retomber dessus. Donc ici, les guides en fait vous conseillent tout simplement de laisser faire. Même si ça peut prendre 2 ans, 3 ans, une vie, laissez faire, tôt ou tard, le karma agira. Et vous, par contre, vous gardez en tout cas cette énergie de joie qui revient. Alors, il est peut-être question aussi, vous, d'être soulagé, parce que justice est faite aussi. Le karma a fait son œuvre aussi, sans que vous soyez intervenu. Et du coup, il y a une sorte de joie qui revient, parce que finalement, on ne fait pas du mal impunément aux gens sans un jour en payer les conséquences. C'est ce que vous dit en tout cas l'univers aussi. Ouais, j'ai le retour, le boomerang. Donc ici, blam, blam, blam. C'est retour de bâton hein, pour certains. Et vous, ben vous ici, j'ai la carte de la consultante ou du consultant. Donc ici, vous êtes là. Et si vous êtes un homme, ça vous concerne également. Hein. Mais en tout cas, c'est parce qu'on est dans une énergie féminine. On est dans son énergie émotionnelle. Ici, hein, en effet, il y a eu des émotions négatives. Mais ces émotions négatives prennent fin là. Il y a quelque chose de joyeux qui revient ici et on va vers quelque chose de nouveau. Donc moi, j'entends vraiment depuis le début de votre guidance, les Verseaux, prise de conscience. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, les Verseaux. Il y a une prise de conscience sur le fait que, bah, en fait, toutes les personnes négatives autour de vous, toutes les situations négatives, bah, il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer et s'en détourner, j'entends. Hein? Par exemple, vous n'êtes pas bien au travail, ça ne vous satisfait pas, peut-être qu'il est temps de chercher autre chose. Pas de quitter actuellement votre travail, parce que c'est important quand même de garder son travail, mais surtout de garder une sécurité derrière en cherchant autre chose. Et vous verrez que si vous vous lancez dans des démarches de changer autre chose, si vous n'êtes pas à votre place, l'univers va vous envoyer les opportunités qu'il faut. Les bonnes personnes, les bonnes portes vont s'ouvrir. Et vous pourrez un jour quitter votre travail quand la suite sera en tout cas opérationnelle. Vous voyez un petit peu? Donc
Ici, tout simplement, vous dit les Verseaux, prenez les décisions qui s'imposent pour mettre fin à toutes les énergies négatives qui traînent autour de vous, qu'elles soient liées à des personnes jalouses ou à des lieux, à des situations, pour pouvoir passer à autre chose ici. Finalement, ce qu'on vous dit, c'est que vous prenez un nouveau chemin, vous continuez votre vie, vous avancez. Il est question aussi peut-être ici d'apprendre une grossesse éventuellement ou la naissance d'un enfant que l'on va fêter. Ça, c'est possible aussi. Voilà pour les énergies générales un petit peu. Alors, voyons voir pour le professionnel. Alors, il va s'agir du professionnel, de tous ceux qui sont en études, demandeurs d'emploi, enfin tous ceux qui sont en activité ou pas, puisque ça peut aussi concerner des personnes qui sont à la retraite. Parce que je peux avoir des messages aussi pour vous qui partez à la retraite ou qui êtes déjà en retraite. Alors, on va voir justement ce qu'on nous dit. Bon, on a besoin de se libérer ici les Verseaux sur le plan professionnel ou sur le plan activité. Je suis pas étonnée, puisque tout à l'heure j'avais la carte du féminin qui sortait dans votre énergie générale, où finalement le féminin c'est aussi le chakra sacré. On a peut-être besoin ici de... je vais dézoomer un peu parce que vous ne voyez pas tout. Du coup, on a besoin de libérer aussi son chakra sacré. Alors ça peut être tout simplement, bah oui, de travailler son chakra sacré, pourquoi pas. Mais on a besoin de se libérer aussi. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est créativité aussi, création. On a besoin de créer ici les Verseaux pour se libérer d'une situation. Donc, il est peut-être question de créer un nouveau projet professionnel, de se créer une nouvelle activité, un nouvel hobby, par exemple. En tout cas, on a besoin de créer quelque chose pour se libérer. On me parle que c'est un défi pour vous de vous libérer. C'est pas forcément très facile et très simple. On me dit ici qu'il ne faut pas hésiter à voir plus grand. C'est vraiment le défi pour vous. C'est que pour peut-être vous libérer d'une situation professionnelle ou une activité quelconque, il est question de vouloir voir plus grand. On vous dit oser voir plus grand parce qu'il y a de la réussite derrière. Ça ramènera beaucoup d'équilibre dans votre vie professionnelle et il y aura en tout cas du succès et de l'abondance. Donc ça peut être question aussi pour certains d'avoir pour défi de créer son propre travail, de créer son entreprise, de créer quelque chose sur le plan du travail ou d'une activité. Et on vous dit qu'il faut oser voir plus grand. Il peut être question justement de personnes ici qui crée aussi peut-être, vous savez, on peut avoir un travail, avoir appris les bases, mais finalement créer sa propre méthode dans son travail suivant ce que vous faites. Il peut être question de ça aussi. On va me parler aussi d'une entreprise familiale, donc il peut être question d'entreprendre la création d'une entreprise familiale. Il peut être question aussi de se libérer d'une entreprise familiale parce qu'il est peut-être question aussi de ne pas vouloir suivre cette voie-là et avoir envie de suivre sa propre voie, par exemple. On parle d'entreprise familiale aussi au sens large de la famille, c'est-à-dire aussi votre famille d'âme peut-être. Alors, j'ai bien ici des travails aussi en tant qu'indépendant où on me parle aussi d'indépendance d'organisation. Donc, ça revient encore à la même chose que je recevais tout à l'heure comme message pour certains Verseaux. Il y a un énorme besoin de se libérer de certaines contraintes qui vous empêchent justement de trouver l'équilibre avec votre vie de famille et entre l'entreprise et la famille. Donc, il est peut-être question ici pour les Verseaux d'avoir besoin déjà de s'organiser. Il est peut-être question de ça. Et surtout d'avoir besoin d'être indépendant dans sa façon d'organiser ses journées. J'entends ici que pour certains, ce qui ne va pas convenir, c'est qu'on vous dise à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous finissez, à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous allez aux toilettes. Et... Non, ici, il y a une sorte de contrainte, d'un peu l'impression d'être entravé, je peux comprendre. Je suis un peu pareil, pourtant je suis pas Verseau. Mais voilà, vous avez besoin de faire d'après ce que vous avez envie de faire. Vous avez besoin
besoin de faire les choses comme ça vous arrange. Et justement, ça fait des personnes de vous peut-être plus efficaces au travail, parce que quand on arrive à trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, on est bien plus efficace justement au travail. Donc ici, il y a peut-être ça qui ressort aussi. On me dit qu'il va falloir encore des efforts et on va me parler d'une transformation de projet. Alors, deux choses. La première, ici, il y a un lâcher-prise qui est peut-être nécessaire pour se libérer, en effet, par rapport à une entreprise familiale. On n'a peut-être pas envie d'aller dans cette entreprise familiale. On a peut-être envie, je ne sais pas, peut-être que vos parents ont envie que vous repreniez la ferme familiale et vous, vous avez envie de faire de la musique. Voilà, enfin, c'est un exemple, c'est une image. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien illustrer les ressentis par des images, parce que c'est pas toujours facile pour moi de mettre des mots sur ce qu'on m'envoie, puisqu'on m'envoie aussi parfois des ressentis. Et ici, on vous demande que ça va vous demander encore un effort pour retrouver l'équilibre, mais que vous allez le réussir à trouver cet équilibre. On me dit qu'il est aussi peut-être important peut-être de transformer un projet. Alors, transformer un projet, ça veut dire que vous êtes peut-être parti sur une base de projet professionnel, sur une activité quelconque, mais qu'elle ne va pas pouvoir, entre guillemets, voir le jour de façon comme vous aviez envie. En plus, avec le voir plus grand, il est peut-être question ici de transformer un projet en plus grand, plus large. D'oser voir plus grand, plus large. Et en tout cas, on vous dit que de transformer un projet, ça vous permettra succès et abondance, et ça vous permettra peut-être d'être indépendant. Transformer un projet, c'est peut-être aussi, j'entends le mot concession. Donc en effet, on a envie de trouver peut-être un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais il va peut-être devoir être demandé aussi de faire des concessions. Peut-être que un jour par semaine, vous serez peut-être obligé de finir plus tard, de faire garder les enfants par exemple, mais une seule journée par semaine. Voilà, ça peut être ça, comme transformer le projet, parce que vous vous rendez compte qu'il va vous manquer peut-être 2 heures de taf dans la semaine pour pouvoir tout pallier. Ça peut être ça aussi, ça peut être le fait de travailler un samedi après-midi ou un samedi par mois. Enfin, il y a quelque chose aussi qui va demander aussi une transformation. Il peut être question aussi, par exemple, je sais pas, vous souhaitez ouvrir une petite épicerie dans votre village, vous avez envie de vous baser sur tout ce qui est fruits et légumes et épicerie locale. Et puis finalement, on vous demande de voir plus grand, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de rajouter un rayon boulangerie, pâtisserie, enfin ça peut être ça, vous voyez. Donc on doit élargir en fait, c'est peut-être ça aussi pour certains, voir plus grand. Il peut être question aussi de zone géographique, de voir plus grand sur la zone géographique aussi. C'est pour ça la transformation du projet. Peut-être que vous étiez parti sur un projet qui allait être local autour de votre petit village par exemple, ou de votre ville, et puis on vous dit qu'il va peut-être falloir élargir genre au département. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, ce sont des images, et vous prenez un petit peu ce qui résonne dans votre situation, mais en tout cas, vous avez besoin, les Verseaux, ça c'est sûr, de vous libérer de certaines contraintes et peut-être, j'entends, de vous organiser. C'est pas pour rien, tout à l'heure, j'avais que vous êtes submergé de travail. Il est peut-être question d'être submergé de travail et de devoir s'organiser. Alors, c'est marrant parce que je me rappelle d'un conseil qu'avait dit une personne que j'aime bien, que j'aime beaucoup suivre sur YouTube, Marguerite Artaro. Elle a souvent des mots très très justes et très, très à l'écoute de l'humain. Et elle disait une fois quand elle avait des auto-entrepreneurs, par exemple, en guidance ou en séance, etc., la première chose qu'elle leur apprenait, ce n'est pas de remplir leur planning avec des clients, voilà, ou de remplir leur planning de travail, c'est de mettre un créneau pour ne rien faire dans une journée ou dans une semaine. C'est de s'octroyer un temps où vous n'avez ni travail, ni contrainte familiale, où c'est un temps pour vous, pour méditer, pour flâner, pour, voilà, pour souffler. Et donc, il est peut-être aussi conseillé, hein, ça me vient là, les guides me rappellent en fait, me remettent en mémoire ce que j'avais entendu de cette personne-là. Et du coup, je pense que ça correspond aussi à vos énergies là, c'est que vous êtes submergé du travail, mais peut-être que prenez votre planning là, maintenant, à la fin de cette guidance, prenez votre planning, regardez-le. Et voyez, si vous n'avez pas possibilité, au lieu de mettre un client par exemple, un rendez-vous sur une plage horaire, de vous octroyer ne serait-ce que 15-30 minutes
pour rien faire. C'est pas forcément une journée entière qu'on vous demande de garder, ni une demi-journée, mais un quart d'heure, une demi-heure, mais juste pour vous, pour ne rien faire. Voilà. Juste du temps où vous pouvez même rester assis, à flâner, rêvasser, laisser vos pensées vagabonder ou écouter de la musique, mais un temps vraiment où vous vous posez et où c'est pour vous, d'accord? Voilà un petit peu déjà ce qu'on avait à me dire, et à vous transmettre surtout, hein, pour tout ce qui est professionnel, etc. On me dit, hein, de toute façon, que vous allez être aidé, hein, j'ai un ange terrestre ici, hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous aider ou vous éclairer. Alors, sur le plan sentimental et relationnel, donc ça va concerner toutes les personnes en couple, tous les célibataires, ça va concerner toutes les relations familiales, les relations amicales et les relations professionnelles aussi, puisque c'est ici l'humain qui va ressortir, les relations humaines. Ah, bon, alors déjà, les Verseaux, on me parle d'un blocage de mémoire karmique, d'accord. On parle d'une douleur émotionnelle que vous ressentez peut-être, qui est liée éventuellement à une blessure d'humiliation et qui date d'une mémoire karmique. Donc il faut remonter peut-être dans vos vies antérieures ici pour aller débloquer ce phénomène-là. Alors il peut être question justement de fuir des relations. Je ne suis pas étonnée, tout à l'heure j'avais quand même l'enfermement, le fait qu'on a peut-être envie de fuir les relations autour de soi. Et ça peut correspondre aussi à vos énergies ici. Hein. On parle peut-être chez certains Verseaux, alors pas tout le monde, bien sûr que ça ne correspond pas à tout le monde. On me parle, hein, en effet, hein, d'une douleur émotionnelle qui a été tellement puissante, tellement forte, qu'aujourd'hui, on fuit peut-être des relations autour de soi. Alors, je ne suis pas étonnée d'ailleurs que ce genre de message retombe ici, parce que je commence à m'en rendre compte, non seulement dans les guidances personnalisées, une guidance générale va terminer en énergétique par une libération énergétique, et depuis que j'ai commencé les signes pour ce mois de juin, il y a pas mal de blocages qui ressortent, qui sont remis en avant, donc même maintenant dans les guidances générales, on m'envoie sur des messages un peu comme ça. Donc ici, on me parle d'une mémoire karmique, donc c'est une de vos vies antérieures. On me dit que la douleur a été tellement puissante qu'elle a marqué votre âme. Et on me dit que dans cette vie-ci, il y a peut-être eu une blessure d'humiliation qui est née, enfin qui a été provoquée par une relation, hein, c'est ce qu'on me dit, et qui a réveillé cette douleur endormie quelque part. Parce qu'on vient au monde avec ces blessures de l'âme qui sont au départ latentes. Elles sont endormies, elles sont à l'état de veille. Et au fur et à mesure que l'on grandit, hein, à partir du moment où on a un bébé, par exemple, la blessure d'abandon, alors elle peut être réveillée dès la naissance par le fait qu'on est sous X, on est de père inconnu ou de mère inconnue, ça peut être ça. La blessure d'abandon peut arriver un peu plus tard, quand il est temps de faire garder bébé pour aller retourner travailler, et du coup, ben, la première fois qu'on doit laisser bébé, quelque part, cette blessure d'abandon se réveille chez l'enfant parce que il croit ou elle croit que papa et maman l'ont laissé. Même si le soir on vient le chercher, alors ne vous en voulez surtout pas pour ça, hein, d'accord, on doit tous passer par là, c'est nécessaire, mais c'est pas parce que cette blessure va se réveiller tout petit qu'elle va rester lui faire mal, au contraire, elle va se réveiller, elle va rester là sans forcément faire de mal à l'enfant, et au fur et à mesure des années, bien sûr que quand il y aura éventuellement une rupture amoureuse qui arrive dans le futur, bien sûr que cette blessure d'abandon, par exemple, peut se réveiller un petit peu plus. Voilà, mais ne vous en faites pas, hein. Vous pouvez laisser sans risque bébé à la nounou, il n'y a aucun problème. Je suis maman moi aussi, et elle est gardée, ma petite dernière, par la nounou. Voilà, je sais qu'elle est très bien, qu'elle est très heureuse. Je sais que la blessure d'abandon s'est réveillée chez elle à partir du moment où je l'ai envoyée la faire garder. Mais ne vous en faites pas, ne culpabilisez pas. Votre bébé est très bien de toute façon, vous en faites pas, d'accord? Mais voilà, c'est des choses qui vont de toute façon rester inconscientes, voilà. Mais qui au fur et à mesure, que vous voyez, c'est un petit peu comme un vase où finalement il y a déjà de l'eau, hein, dans le vase. Voilà, c'est ça, je vais utiliser cette image. On m'envoie une image qui peut peut-être vous expliquer. Imaginez un verre d'eau ou un vase avec de l'eau déjà dedans, mais qui est quasiment au bord, vous voyez. Et puis,
Dites-vous que cette eau-là, c'est par exemple la blessure d'abandon ou la blessure d'humiliation d'une vie antérieure qui est toujours là dans votre âme, qui est toujours latente, qui est toujours en sommeil, mais qui n'est pas encore réveillée. Et puis, par exemple, voilà, le petit bébé qui va chez nounou ou à la crèche parce que papa et maman doivent travailler, se sent ce jour-là abandonné, entre guillemets, parce que il sait pas encore que papa et maman vont revenir ce soir. Et en fait, vous imaginez que cette petite blessure-là, hop, une goutte, pouf, elle tombe dans le vase. Mais il déborde pas, voyez? Mais là, pouf, voyez, la goutte, quand elle tombe, elle fait des petits ronds. Et c'est comme si finalement, vous voyez, la blessure d'humiliation ou d'abandon, la blessure d'abandon se réveillait avec ces petites vibrations que la goutte a fait. Voilà, donc elle s'est réveillée dans cette vie-ci, bon, mais le vase ne déborde pas. Et puis l'enfant grandit au fur et à mesure, et puis, je sais pas, il peut être question... d'avoir des amis ou un super copain, de devoir déménager, que le copain par exemple déménage pour suivre ses parents, paf, deuxième blessure d'abandon, pouf, une autre goutte. Et puis ainsi de suite, et puis voilà, il y a une rupture par exemple, arrivée à l'âge de 30 ans, une rupture amoureuse qui arrive, et puis là, c'est la goutte, et puis le vase déborde. Voilà, et du coup la blessure, c'est ce qu'on vous dit là actuellement. Vous êtes justement dans le vase qui déborde. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous envoie ce message-là, c'est qu'il y a une douleur émotionnelle qu'il faut aller chercher dans une vie antérieure. Il y a une blessure de l'âme qu'il faut réparer. Une blessure d'humiliation, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Et c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être dans la fuite d'une relation. J'entends le mot auto-sabotage aussi pour certains d'entre vous. Donc, il peut être question de personnes aussi qui, par peur d'être à nouveau humilié ou par peur d'être à nouveau abandonné, quelque part, inconsciemment, font tout pour saboter la relation alors qu'elle pourrait être positive. Voyez, c'est pas volontaire, d'accord? Donc ne vous en voulez pas pour ça, c'est pas volontaire. Mais justement, les guides vous envoient comme message ici qu'il va falloir travailler sur cette douleur pour pouvoir la libérer. Voilà, fuite karmique, hein. On revient dans le karmique, hein, ici. On me parle de karma, de fuite karmique ici. Donc il y a un blocage de mémoire karmique et du coup c'est en train de fuir. C'est ça, c'est un petit peu ça. Et puis on fuit quelque part son karma, hein, j'entends. Et du coup, comme on ne veut pas affronter l'émotion, elle vous fait la misère. Donc on me parle en tout cas que vous êtes bien avec une âme sœur, peut-être même avec une flamme jumelle. C'est pour ça aussi qu'on est dans la douleur émotionnelle ici, que ça peut être une relation compliquée. Mais en tout cas, on parle aussi d'une âme sœur. On me dit ici aussi que vous êtes peut-être en train d'essayer de fuir une relation avec votre âme sœur. Mais l'univers ici, à travers ces messages, je vous rappelle, non, surtout, ne fuis pas cette relation, elle est faite pour toi. Alors, peut-être qu'on a tendance à vouloir fuir cette relation parce que ici, on me dit de ne pas écouter les autres. On est peut-être influencé par les autres. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça se réveille très très fortement, parce que le message que je reçois d'une vie antérieure, c'est que dans le passé, dans la vie antérieure, alors là j'ai un message un peu antérieur justement qui vient. En fait, on me parle d'un couple qui a voulu être ensemble dans une vie antérieure, mais ça se faisait pas à l'époque, ou peut-être qu'on n'était pas de la même classe sociale... C'est bizarre le message que je reçois, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pour la vie antérieure, il peut être question aussi de deux personnes comment on appelle ça, d'ethnies différentes, ce genre de choses aussi, de cultures différentes ou de religions différentes, et on me dit que l'entourage ne voulait pas, a interdit cette relation, malgré l'amour qu'il voulait, on s'est retrouvé un petit peu... Il y a eu une blessure d'humiliation, mais par les autres. C'est ça que j'entends. Il y a eu une blessure d'humiliation par les autres dans une vie antérieure. Où finalement... J'entends en fait une personne... ça va vous paraître surprenant, mais là on m'envoie l'image d'un homme assez haut placé dans la société. Il y a un costume vraiment très riche en fait qui apparaît avec vraiment, je sais pas, ça fait des espèces de traits sur le thorax avec des espèces de boutons de chaque côté, c'est bleu et blanc. Enfin, on m'envoie une image, voilà, d'un homme très très bien habillé, vraiment habillé riche en fait. Hein, c'est vraiment un costume assez, on voit qu'il est haut placé dans la société. Et on m'envoie l'image d'une femme qui est...
un petit peu de la classe plus basse à l'époque, hein, voilà. Je précise que c'est à l'époque, hein, parce que pour moi, aujourd'hui, on est tous égaux. Mais ici, on me parle peut-être d'une personne qui était peut-être à faire le ménage à la, dans les lieux. J'entends le mot domestique à l'époque. Et donc, il y a une histoire d'amour apparemment qui est née entre ces deux personnes parce qu'elles étaient âmes sœurs, mais qu'elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu. Et du coup, la jeune femme, on me dit qu'elle a été humiliée. Elle a été humiliée justement parce qu'elle était d'une classe sociale inférieure que ce monsieur, bien que lui, il l'aimait, et peut-être que justement, il a écouté les autres et il a humilié cette femme malgré l'amour qu'il avait pour elle. Et ah oui, ça m'arrive de plus en plus hein, d'avoir des flashs et des messages comme ça, donc j'envoie le message puisqu'on me l'envoie, donc ça pourra peut-être parler à quelqu'un. Et il est peut-être question de ça. Et la blessure a été tellement puissante que du coup, aujourd'hui, elle est bloquée. Donc ça peut justement concerner quelqu'un ici parmi vous que j'ai capté et qui a cette blessure en lui ou en elle. Parce que oui, vous pouvez avoir été une femme dans une vie antérieure si vous êtes un homme aujourd'hui. Vous pouvez être une femme aujourd'hui et avoir été une femme aussi dans une vie antérieure. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous fait vibrer quand ce message vous est transmis. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher là. Mais en tout cas, il faut remonter dans vos vies antérieures pour ceux qui se retrouvent avec une blessure sentimentale à fuir les relations parce que justement, on a peur à nouveau d'être humilié. Il peut être question d'une répétition de schéma aussi, hein, de tomber amoureuse de personnes complètement différentes de vous à chaque fois et d'avoir peur de s'engager dans la relation parce que justement, c'est différent, parce que justement, ça vous rappelle votre vie antérieure, votre âme s'en rappelle. Waouh! Quelle force de message là. Alors, bon, ici on va me parler de communication, de douceur, de solitude. Hein. Ouais, y a un sentiment de solitude qui est rattaché à ce blocage karmique. On me dit aussi que à force d'écouter les autres, eh ben on se retrouve peut-être seul parce qu'on ne fait pas les bons choix. On ne s'écoute pas soi. Et c'est ce que les guides vous disent aussi. Communiquez avec vous-même, avec votre âme aussi, peut-être aussi. Hein, vous pouvez très bien aussi faire le travail de déblocage karmique vous-même aussi en parlant avec votre âme en disant mais écoute, ça c'était ta vie avant, aujourd'hui tu n'es plus la même personne, tu as appris et c'est pas parce que c'est arrivé avant que ça arrivera aujourd'hui. Donc on vous parle de communication aussi. Il peut être question aussi d'une douceur retrouvée avec votre âme sœur parce qu'on va communiquer aussi sur ce qu'on ressent émotionnellement. Il peut être question aussi d'une douleur émotionnelle qui a été très forte dans le passé, qui est toujours là au niveau des énergies, mais vous avez quand même envie d'avancer, mais vous sentez que vous avez le pied sur le frein. Et bien là, discutez de cœur à cœur avec votre moitié en disant bah écoute, moi j'ai beaucoup de mal à me remettre de mon passé et j'ai envie d'avancer avec toi. Mais il va me falloir laisser un peu de temps et il va falloir que je trouve moi-même des solutions aussi pour remédier à ces douleurs en allant voir peut-être un hypnothérapeute, un kinésiologue, en tout cas quelqu'un qui va aussi peut-être pouvoir couper ses mémoires karmiques. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez positif parce que même si vous êtes dans ces énergies-là, ça va finir par se débloquer. Il suffit juste de comprendre pourquoi c'est bloqué. Des fois, le fait de comprendre que ça vient d'une vie passée, alors si ça se trouve, le fait d'entendre ces messages, si ça percute chez vous, alors si ça percute pas, vous laissez de côté, c'est que ça ne vous convient peut-être pas à vous, et vous allez peut-être voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça vous correspondra peut-être davantage, mais si ça vous parle, rien que de que cela, ça peut aussi débloquer le truc, quoi, vous voyez ? Il y a beaucoup d'énergie que j'émets en intention, en fait, quand je vais pour commencer chacune de mes guidances, en émettant l'intention que ça aille débloquer des choses chez les gens, que ça aille vous aider, que ça aille vous éclairer. Et donc, bah, forcément, en émettant cette intention quand je fais mes guidances, bah oui, il peut y avoir de l'énergie qui part vers vous, les amis. Oh, bah voilà, j'ai l'âme sœur qui ressort. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et enfin là, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ne résistez pas à tous les changements qui peuvent s'opérer ces temps-ci ou en ce mois de juin pour vous, parce que
tous ces changements ont quelque chose à... ont besoin de vous emmener quelque part. Donc laissez-vous porter. Alors, ici, j'ai demandé au guide qu'est-ce que vous alliez devoir travailler, vous les Verseaux, en ce mois de juin 2022. Alors, le baiser de la rose. Bon, déjà, on est sur un chiffre 9 ici, donc on est sur une fin de cycle. Alors, ce qui est marrant, ce qui me vient comme message avec le baiser de la rose, c'est qu'à la fois, la rose, elle peut être belle, elle peut sentir bon, mais elle peut piquer. Et en fait, ce qu'on vous demande peut-être à travers cette carte, alors j'irai voir après dans le fascicule, mais ce qu'on vous demande peut-être, c'est justement, quelque part, d'oser aimer, d'oser aller vers les autres. Parce qu'ils peuvent peut-être être doux, ils peuvent peut-être être positifs, mais parfois, en effet, une relation peut piquer. Mais vous ne saurez jamais si vous n'allez pas dans la relation. Parce qu'il y a des roses qui n'ont pas d'épines, par exemple. Mais si vous ne vous approchez pas de cette rose, si vous n'allez pas la voir, vous ne saurez pas. Alors, on va aller voir justement cette rose. Chiffre 9. Alors déjà, on est sur une énergie d'eau. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Alors, que vous dit cette rose? Les mots-clés de cette rose. Joie, jouissance, satisfaction et plaisir profond. Désir reconnu et réalité des cinq sens. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Alors, et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le joyeux dans l'ordinaire. Parfaitement synchro, les guides, merci. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir? Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Tellement vrai, ça c'est sûr. Au lieu de rester rivé sur vos écrans, faites une pause. Et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est important pour votre évolution. Pardon, excusez-moi. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez ? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos cinq sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Donc, on vous invite. La chose à travailler pour vous, les Verseaux, c'est de vous déconnecter peut-être de la technologie, par exemple, de la télé, des écrans. Alors déjà, écouter les actualités, c'est pas bon, ça fait baisser le taux vibratoire. Mais de vous reconnecter vraiment pleinement aux petites choses de l'ordinaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, le dos de deck. De retrouver une connexion avec ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, le monde qui vous entoure et avec vous-même. Donc, on va les compléter avec le Tao. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Alors ici, très clairement, on vous dit que finalement, en vous connectant
à vos cinq sens, au monde qui vous entoure de façon concrète. Ça peut être par exemple décrocher de vos écrans pour aller jouer avec vos enfants, pour aller faire du jardinage, pour aller se promener en pleine nature, pour regarder les petits oiseaux dans le jardin. Reconnectez-vous en fait au monde de façon concrète. Eh bien, ça permettra à beaucoup d'entre vous ici de trouver une illumination, peut-être même de retrouver une inspiration par rapport à quelque chose que l'on avait envie de créer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il peut être question aussi hein, d'une passion dévorante pour quelque chose. Par exemple, vous avez une passion dévorante pour la peinture, pour la lecture. Eh bien, allez-y, déconnectez de vos écrans et allez prendre un bouquin, allez faire un tableau, allez faire ce qui vous plaît aussi. Utilisez votre passion dévorante aussi peut-être pour faire ce qui vous met en joie, puisqu'il faut se reconnecter avec sa joie. Et en même temps, ça vous reconnectera à votre spiritualité et ça vous aidera aussi dans votre éveil spirituel. Faites preuve de détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Donc ici, il est question peut-être aussi de faire un examen de conscience sur le fait qu'on n'est pas assez connecté au monde qui vous entoure. Donc ici, c'est ce que vous invite à faire l'univers, les guides pour ce mois de juin. Alpha, Delta, richesse, richesse et amour. Eh, waouh! Alors, Delta, ici, on me parle de troisième œil, on me parle de... Il y a une belle énergie violette, ici aussi. Ici, on me reparle de spiritualité avec la carte du Delta. Avec la carte du Delta, on me parle de vraiment de spiritualité. Le 3, c'est la Trinité aussi, hein. C'est vraiment en connexion avec le divin. Et on me dit qu'en vous connectant à vos cinq sens et en reconnectant tous vos sens concrètement dans la matière pour ne plus être peut-être dans le virtuel pour certains, on me dit qu'il y a une très grande richesse d'amour qui souffre à vous. Ils sont rigolos les guides parce qu'ils m'envoient un message un peu particulier pour quelqu'un qui peut-être est très souvent sur son ordinateur mais qui aimerait rencontrer l'âme sœur et qui ne sort pas de chez lui ou de chez elle. Et on me dit, il est temps que tu ailles dehors là, que tu te reconnectes au monde extérieur parce que... Il y a un grand amour qui arrive pour toi, mais tu pourrais passer à côté si tu n'y vas pas. Ok, je transmets hein, les guides. On me dit aussi que vous avez une très grande richesse. Il y a une très grande richesse spirituelle qui arrive pour vous. Il y a un énorme éveil spirituel qui arrive pour vous aussi, les Verseaux. Mais il faut vous reconnecter à votre cœur, à l'amour universel et inconditionnel. Être dans le cœur. Faire les choses avec le cœur, faire des choses que vous aimez, aller voir des gens que vous aimez, être dans des endroits que vous aimez, faire un travail que vous aimez. En tout cas, il faut faire ce que l'on aime. Faire les choses avec amour, c'est ce qui est important pour vous les Verseaux ce mois de juin, parce que de l'abondance à foison, vous en aurez si vous suivez votre cœur. Donc ça peut être une abondance matérielle et financière si on fait quelque chose que l'on aime de sa vie, dans son travail. Si on utilise peut-être une passion, si on sait pas quoi faire, peut-être que souvent une passion peut devenir un travail aussi. Et du coup on n'a plus l'impression de travailler bien sûr. On me dit aussi qu'il peut y avoir aussi une abondance d'amour à venir pour vous si vous vous ouvrez aussi au monde extérieur et si vous ouvrez votre cœur à l'extérieur sans avoir peur bien entendu. Aimer c'est prendre un risque aussi quelque part, mais quand c'est réciproque et que c'est intense et que c'est éternel, ça vaut le coup peut-être de prendre le risque des fois. Et donc ici on vous dit aussi qu'il y a une abondance d'amour à venir pour vous et il y a aussi, j'entends, une abondance spirituelle pour vous parce qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui pourraient même atteindre l'illumination, qui pourraient en tout cas avoir un énorme déclic ici en ce mois de juin aussi, en se connectant avec son chakra du cœur. Avec la carte en dos de deck de l'initiation, il peut être question aussi du début de quelque chose. On est initié pour aller vers là. Alors, la surprise pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin. Alors, ça risque de vous paraître surprenant, mais la surprise, ça pourrait être un cadeau un peu mal emballé pour certains. On me dit que l'univers met des obstacles peut-être sur votre route pour vous amener quelque part. La carte des rochers peut me faire penser aussi à un blocage, le fait d'être bloqué chez soi, le parc, le monde extérieur.
Finalement, ce qu'on vous dit les Verseaux, c'est qu'en vous tournant vers le monde extérieur, plutôt que de vous tourner vers votre monde intérieur, mais de la maison, j'entends, hein, de l'appartement, eh bien, les guides vont vous envoyer, vont vous guider vers une nouvelle opportunité ici. C'est ce qu'on me dit. Il peut être question d'une nouvelle opportunité vers laquelle vous allez être guidé par le biais même de synchronicité. On me dit que la surprise pour vous, les Verseaux, c'est que s'il y avait quelque chose de bloqué, en tout cas fin mai, début juin, ça va se débloquer ici. Il peut être question pour certains, si vous êtes à votre compte, d'avoir peut-être de la clientèle qui est bloquée, de ne pas réussir à faire votre bonhomme de chemin sur le plan professionnel. Et là, on me dit qu'on vous envoie du monde, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Donc ça veut dire en effet que la surprise, c'est que les blocages vont sauter, mais que vous allez être guidé vers les actions et les choses à faire pour les débloquer. Et on termine votre tirage par un petit message des couleurs pour les Verseaux, mois de juin. Et bien, il y en a trois, alors on va les prendre. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et mandarine, je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Et c'est marrant parce que j'ai deux fois du rouge quasiment avec du orange. Donc là, on est vraiment sur le chakra sacré, sur le chakra plexus solaire. Donc les Verseaux, ce qu'on vous invite aussi peut-être à travers ces couleurs, c'est de peut-être harmoniser vos chakras sacrés et vos chakras plexus solaires. Ça peut vous aider en tout cas à avancer. Et pour terminer, mon essence profonde et lumineuse et pure. Ben oui, vous êtes des belles âmes les amis. Alors laissez-la briller cette âme. Libérez-vous de toutes ces entraves négatives autour de vous pour pouvoir briller votre plein potentiel. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.